Adieu, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo let's play de Callisto Protocol. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas avancé dans le jeu, donc c'est l'occasion de continuer. C'est parti, let's go. Faut que je me rappelle un peu des touches, hein. Ah ouais, il faut que je descende ici là. Oh punaise, ça donne pas envie, hein. Aïe 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 aïe. Avant de descendre, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour me donner de la force. Mettez un petit pouce bleu si vous avez liké la vidéo. Et activez la notification pour les cloches. Nouvelle année, nouvel objectif. Objectif 1000 abonnés. Donc prenez le temps de le faire. Ça prend quelques secondes pour vous et pour moi, ça m'aiderait énormément. Bon visionnage. Merci beaucoup. Allez, on saute. Bon, alors je suis en PLS de vie. J'ai plus de vie. Il faut vraiment que je trouve des medics là, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et voilà. Et bah dis donc, vous voulez nous serrer la main celui-là, hein? Petit effet de surprise, ça fait du bien hein, quand on reprend le jeu. Caution. J'ai pas trop envie d'aller là-bas. Qui brille un peu partout là. Convertisseur d'énergie. Je me demande si ça sert à moi quelque chose ce truc. Ou si c'est pas juste il faut vendre, tu vois. Alors ici ça semble roussi, hein. Je sais pas vous, mais les trucs ici qu'on peut prendre. Ah putain, je peux jouer. Y a trop de méchants là. C'est chaud les gars. Allez, venez par là, venez par là. Mais arrête, oh mais arrête. Ah, j'ai
J'ai pas réussi à le... Oh bâtard. Bah voilà. Yes, un peu de médoc, tant mieux. Attends, mince, il y a des cadavres ici, il faut qu'on les... Il est éclaté là-bas. Là. Pour lui. Du coup, lui. Ça sera pas pour cette fois. Ok, continuons alors un petit peu. Ah, c'est ça que je voulais faire. Un petit peu, il n'y avait pas des trucs ici à prendre. Non. Docteur Xian Yun. Yes, médoc. Jacob Lee, c'est nous. C'est lui. Docteur Xian Yun. Ok. Attends, il faut que je monte là-bas. Ça, ici. Non. Ah bah, du coup, c'est par là. Mais putain, mais ces petites merdes comme ça me saoulent. Abusé quoi. Injecteur de santé, bon tant mieux. Voilà, il m'a pas trop fait de dégâts donc ça va. J'ai hâte d'arriver à la prochaine truc d'amélioration. Trouver notre pote Danny là. Là j'aimerais bien faire tomber ce truc là, mais j'ai pas envie de gaspiller une mune pour ça quoi. Terry Light. Ah bah tiens.
Y a notre ami là. Là c'est cool parce que... Alors là. Crédit protocole. Je me demande si ces trucs on peut pas les péter. Non, on peut pas péter ces trucs. Il y en a un juste là, là t'as, vous avez vu? Je me suis lousé. Je me suis loupé comme une grosse merde. J'ai le balancé contre des pics, mais je me suis loupé. Voilà, voilà, voilà. Comme c'est frustrant. Ok, il nous reste encore une dose de médac. Des fois faut toujours regarder un peu autour, voir ce qui se passe. Un monstre qui va sortir de là. Ok, donc là il y en a un. Deux. On va les observer un petit peu, hein. Je sais plus si on peut les planter furtivement ceux-là ou pas. Ce serait cool ça. Yes! Donc normalement il revient par là l'autre. Viens là, petit, petit, petit. Ça aussi, c'est un conseil, hein, les amis. Hein. Quand vous pouvez éviter le combat et éliminer facilement, faut y aller. Hein. Pour déconner. Hein. Là, il y en a un autre. On a deux là. Donc on observe attentivement le chemin qu'ils prennent. Attention, hein, tu vois, il y en a 1, 2, 3 là.
On a un quatrième là-bas. Ils sont un peu trop proches là. Merde. Faut que je ferme lui d'abord. Putain, je sais pas s'il me voit, mais il se dirige quand même vers moi. Hein. Putain, il y en a encore 4. C'est dommage qu'on peut pas lancer des petits cailloux, tu sais. Pour les attirer, ce serait drôle. Ah, viens par là, toi. Ah, retourne-toi par là, retourne-toi par là. Ouais, reste par là, reste par là, reste par là. Voilà. Encore à éliminer. Vas-y, tourne-toi là-bas, toi. Continue de faire ta ronde, là. Non. Il y en a encore plus là-bas. C'est pour ça qu'on prend le temps, les amis. Parce que là, franchement, ils sont plusieurs. On va pas commencer à faire le Superman là. On va essayer d'aller dégommer tout le monde quoi. Attends, je vais voir si là il y a des gens. J'ai pas envie trop de m'approcher de ce truc là. Putain, lui il fait chier parce qu'il est tout le temps avec son pote là. Voilà. Toi reste bien comme ça. Qui en avance. Ok, il y en a encore deux. Et putain, il fait quoi lui? On laissait venir par là, tranquillou. Je sais, hein, ça fait une séquence un peu où il faut faire attention. Hein. Parce que tous ces types-là, s'ils se font alerter, ils vont se transformer avec leurs espèces de tentacules, là. Et puis, pour les fighter, ceux-là, bonne chance. Hein. Mais oui, présente-moi ton dos. Et le tour est joué, man. Et où le dernier ? Faut être sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Ah.
Ça m'a l'air d'être le dernier. Oh punaise, non, c'était pas le dernier. Comme il est sorti du mur. Ah, celui-là aussi, là. Ah, punaise. Hein. 3. Il n'y a pas un truc, là. Non, là, c'est verrouillé, là. Trouver la carte d'accès. Ah, bah ouais. Bien entendu, hein. Voilà ce que je voulais éviter. Voilà ce que je voulais éviter, les amis. Maintenant, je suis dans la merde. Voilà ce que je voulais éviter. Bon, j'ose espérer que maintenant c'est bon, parce que sinon, merde, hein. Ah, bon, y a ça normalement, c'est plus ou moins safe. All systems operating within normal parameters. Celui-là, ce qui paraît, c'est le meilleur, donc on va voir ce que ça donne. Assembling. Le skunk gun. Quality check. Verify. Ok, skunk gun, et puis là pour améliorer capacité de munitions. Parce que j'ai toujours les... J'ai 3 guns maintenant. Ou bien... Ouais. Donc ça c'est le skunk gun. Voilà, c'est celui-là. C'est vrai que les capacités de munitions, elles sont pas... Elles sont pas ouf. Looks like this will give you the colony.
hope Danny's there. Un coffre, ça? No power. Let those cables lead to a generator. Mais je crois qu'on peut pas utiliser ces coffres. Déverrouiller la porte des tunnels d'alimentation. Non, je pense pas qu'il faut aller par là. Sauter quand même. Surtout que j'entends des bruits chelous par là. Non, attention, on peut pas aller par là. Suivre les câbles. Peut-être là. Bah, attention, j'ai la carte d'accès, donc... Maintenant je peux aller, il faut que je retourne. Exactement. Localiser le réacteur d'alimentation. Il y a des bruits chelous en tout cas. On va d'abord suivre le câble ici. Là. Encore des gars poignardés. Faut que tu te retournes, mon ami. Des
Callisto Credit. Peu de santé, ça fait plaisir. C'est vrai que parfois ils peuvent sortir, surgir de nulle part comme ça. Derrière un mur, quelque chose. Ok, alors là, ça va être chaud patate, les amis. Je sais pas si en éliminant un, pardon, ça va pas attirer tout le monde. Hein. Ça, c'est un truc aussi. Parce que là, si les 4 ils se transforment là. Oh punaise, je suis dans la merde. On suit gentiment. Ça fait 1. Ça fait 2. On va laisser d'abord l'autre venir, se retourner. Et de 3. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Et voilà le quatrième là. C'est quand même mieux comme ça. Comme il est sorti du mur, le gars, comme un schlaguito, quoi. Ah punaise, il y en a plusieurs. Il y en a combien qui sont sortis? Comme j'ai envie de le balancer contre la grille là, mais j'ai pas envie de gaspiller ma batterie pour ça quoi. Il y en a encore un là. Et viens mon ami. Toujours avancer avec prudence quand même dans ce jeu. Tu vois? On sait jamais sur quoi on peut tomber. Il y en a 2. 3. Encore 3 les amis.
Petite séquence furtive. Allez, tourne-moi le dos et c'est fini. Bâtard. Il m'a feinté là. Voilà. Vous avez vu le nombre de monstres là que j'ai éliminé furtivement. Imaginez s'ils se tournaient tous en super monstres. Ça aurait été juste la catastrophe. Donc voilà, prenez le temps les amis, si vous voulez un conseil. Tranquillement. Comme on dit chez nous, il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Il m'a fait une petite frayeur là. J'ai dit putain le con il se retourne. Non mais vous croyez quoi les gars? Vous croyez que j'étais dupe comme ça ou quoi? C'était tellement évident qu'il allait avoir un... quelqu'un arrivé là. Alors lui c'est pas un cadavre. Il y en a un là qui est en train de... Je sais pas, soit il a froid, soit il... Je sais pas, il veut pas bouger. Soit il y a un de ses potes qui va surgir. Soit c'est un piège. J'entends encore des bruits, donc ça veut dire que c'est pas fini. Ils sont tous là, vous avez vu? Est-ce que je peux tous les éliminer comme ça? Ça va, c'était les deux derniers. Heureusement, ils auraient pu capoter l'opération. Salle d'alimentation, mais on sait jamais. Do not touch. Ok, on va rien toucher. Ah! Ah putain, mais c'est pas vrai. Heureusement, j'ai récupéré en santé. Des crédits, des crédits, des crédits. Très très bien. All systems operating within normal parameters. Du coup le skunk gun. Alors attends, il y a des trucs que je peux vendre ici. Convertisseur d'énergie en parfait état, ça dégage.
Ah mince, ça va faire. Du coup, alors on l'a pas encore utilisé, hein, mais le skunk gun, ouais, ça va être pas mal. Oh les dégâts, frère, t'as vu ça, mec? Thank you, worker. Trop bien, trop bien. Remove item from print assembly. Alors, ensuite il nous faut... Oh, 1200, hein. Ah ouais, quand même, hein. J'ai pas trop de trucs à vendre, donc on verra plus tard. Et puis ça, c'est quoi, ça? Des munitions à tête chercheuse. Oh, punaise, des munitions à tête chercheuse. Ça va être trop bien, ça. Non, mais regarde, il y a des dégâts comparés à... 10 flingues, là, pour l'instant. Attends, c'est celui-là que j'ai ou bien? Non, moi j'ai celui-là, pardon. Canon à point. Là aussi, hein, ça peut faire de sacrés dégâts. De toute façon, c'est toujours bien d'avoir plusieurs armes au cas où. C'est toujours cool. Bon, allez. Do not touch. Du coup, attends. Nous, on vient par là. Non, heureusement, on peut pas aller là-dedans, hein. Donc, on va continuer par là. Mais dans le prochain épisode, les amis, et oui, on va s'arrêter là. Donc, bonne reprise de Callisto. On arrive bientôt en haut. On va bientôt retrouver Dani, notre ami. Donc, espérons qu'elle soit toujours en vie. J'espère que vous avez apprécié ce petit let's play furtif, hein. Donc, vous avez vu que ça sert à rien d'alerter tout le monde. On peut les avoir furtivement, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins exigeant et contraignant que de se battre contre des super mutants. Donc, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications pour avoir les dernières vidéos qui vont sortir prochainement. Il y a pas mal de let's play sur différents jeux qui vont sortir, mais j'en parlerai une autre fois. En attendant, portez-vous bien. Peace !